Nous sommes prêts, donc je pense que nous allons démarrer. Alors, donc de façon tout à fait officielle maintenant, je voudrais saluer la bienvenue à vous tous. Bonsoir, bonjour, en fonction de l'endroit où vous êtes. Merci d'avoir rejoint cette session majeure générale de... Voilà, c'est notre tradition depuis Mexique. Moi, je m'appelle Agne et je travaille dans le secrétariat avec mes collègues qui s'occupent de questions régionales et sous-régionales. C'est une session qui a été organisée sur la base de cette approche en aval et nous allons donc parler du rôle d'Internet dans le contexte des catastrophes. Avant de passer la parole à notre animateur, aussi à Flavio Wagner du Brésil et Madame Oduma de Nigeria, nous allons donc démarrer la session par une information choquante et très triste. Donc, cette rencontre est différente, la session générale est différente. C'est triste, mais nous sommes très est motivé par le grand patrimoine laissé par Merlin Kane, notre collègue. Je pense que vous êtes nombreux à avoir connu Merlin. Merlin était supposée être co-animatrice de cette session. Malheureusement, pendant la session FG, nous avons appris qu'elle a décédé. C'est une information très triste pour toute notre communauté. Elle assurait un très grand soutien à nos actions, à nos démarches. Elle a coopéré avec nous pendant de nombreuses années dans notre écosystème. Donc, elle va nous manquer, bien sûr, et nous n'allons pas l'oublier. Voilà, donc je voudrais vous demander un moment de silence. Merci à vous tous. Et maintenant, je voudrais donner la parole à nos co-animateurs, Madame Mel Oduma, qui va démarrer cette session. Ensuite, c'est le professeur Flavio qui va présenter nos panélistes et qui va introduire dans la thématique. Mary, on ne t'entend pas. Mary. Donc, Mary a quelques problèmes, elle nous a signalé. Donc, Flavio, je m'adresse à Flavio. Voilà, on t'entend maintenant, Flavio. Voilà, c'est bien. Bonjour, bonsoir à vous tous, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit où vous êtes. Moi, je représente FGI en Afrique occidentale. Je suis coordinatrice et comme Anya nous a dit, cette session principale NRI. Voilà, donc c'est Merlin Kate qui est censée être animatrice, mais moi, je voudrais... lui rendre son hommage. Et c'est Flavio du Brésil qui est avec nous et qui va prendre la place d'animateur. Aussi, d'autres panélistes viennent de différents NRI et ils seront présentés et aussi ils vont faire leurs interventions sur la base du sujet qui nous a été présenté. Et ce sujet, c'est le rôle de l'Internet dans les situations de catastrophe. Donc, soyez bienvenus à cette session majeure principale qui est organisée de façon NRI, basée sur les consultations, sur les
négociations en aval, nous allons nous concentrer sur les pratiques bien concrètes pour parler des technologies numériques, comment ces technologies peuvent nous aider en cas de catastrophe. Donc, il y aura des informations de la part de NRI de différentes parties du monde. Et cela va donc parler, représenter la l'égalité régionale. Et voilà, différents sujets. Nous savons aussi qu'il y a 3 minutes pour chaque personne, pour chaque intervention. Il y a trois blocs, hein, que nous allons avoir ensemble. Donc, le premier bloc commence maintenant et va durer jusqu'à environ 18h15. Mon collègue Flavio du Brésil, FGI, je suis mieux placé pour vous présenter tout cela. Ne parlez pas trop vite pour que les autres puissent vous entendre bien et aussi pour faciliter le travail des interprètes. Vous pouvez aussi lever la main en utilisant la fonctionnalité de Zoom. Vous pouvez aussi poser des questions en utilisant le Q&A ou le chat. Donc, n'oubliez pas que chaque votre voix est importante. Nous nous rendons compte qu'il y aura aussi un vote. Lorsqu'il y aura un vote, on vous demandera de participer de façon interactive. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire au début. Maintenant, je donne la parole à Flavio pour qu'il continue. Merci, Marie. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir intervenir ici devant vous et d'être animateur, co-animateur de cette session. Bien sûr, notre chère amie Marlene Cade nous manque beaucoup. Elle devrait être ici avec nous. C'est elle qui était leader de NRI. Donc, cette session est organisée aussi pour rendre hommage à Marlene. Et maintenant, passons au premier bloc. Nous avons donc un vote qui sera réitéré au début de chaque session, de chaque bloc. Et ce vote sera disponible jusqu'à la fin de chaque bloc. Donc, vous pouvez réagir à tout moment, mais je vous demande quand même d'être actif et de participer à ce vote. La première session, le premier bloc, concerne l'Internet qui augmente la résilience du monde. Et les calamités ou les catastrophes, dont le COVID, montrent que l'Internet joue un rôle important lorsqu'il faut travailler à distance, communiquer à distance, apprendre à distance, etc. Donc, est-ce que l'Internet a augmenté la résilience de votre communauté? Ça, c'est la première question à poser à nos panélistes. Si oui, comment? Et parmi les panélistes, nous avons Lucien Castex de FGI français, ensuite Madame Isabelle Christina de la Colombie et Monsieur et ensuite Roussel Al-Chatti de FGI arabe. Est-ce qu'on peut montrer le premier vote déjà? Et nous allons commencer par Lucien. Lucien, je te donne la parole. Tu as 3 minutes. Merci Flavio. Bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour tout le monde. Je suis co-président du Forum français intergouvernemental et je représente aussi la politique publique puisque nous participons à cette session globale. Donc, je vais parler en français.
Peut-être fils Vladimir Chedor, est-ce que Colombie FG Colombie, voilà, est-ce que tu peux prendre la parole? Bonjour, donc soyez bienvenus, tout le monde, toute notre famille, tous ceux qui participent à cette discussion. Moi, je suis directrice dans le ministère de la Communication de Technologie en Colombie. Merci. Le forum de la gestion de l'Internet de m'avoir invité. Donc, nous disons que l'Internet est quelque chose qui soutient notre activité, qui soutient notre économie un peu partout dans le monde, en Colombie. Une grande partie de nos sociétés, ce sont de petites et moyennes sociétés ou de micro-sociétés qui disposent de processus numériques pour soutenir les affaires. Mais le gouvernement colombien prépare la politique publique et aussi pour résoudre les problèmes, pour offrir les outils permettant d'avoir une meilleure compétitivité. Pour pouvoir consolider les efforts liés à la pandémie, une information importante concernant la politique, ce sont les instruments juridiques liés à la transformation légale et aussi à la cybersécurité. Les sociétés doivent prendre en compte aussi la taille des différentes organisations et commencent à la digitalisation pour augmenter la vente, la commercialisation. De l'autre côté, si par exemple s'il s'agit des outils technologiques de la part du ministère de la Communication, Information et des Technologies, les sociétés, on transfère aux sociétés notre soutien. Je parle ici de sociétés qui ne sont pas présentes sur Internet. Ils reçoivent une sorte de kit d'un ensemble qui vise aussi à assurer un soutien Internet pour organiser le site web pour que ça puisse fonctionner sur Internet. En Colombie, c'est vraiment l'essentiel pour assurer la stratégie et pour lutter à la crise générée par COVID. En Colombie, nous travaillons maintenant pour augmenter le niveau de connexion sur notre territoire. Uniquement 50% de familles en Colombie ont accès à l'Internet, mais nous voulons qu'il y ait 25% soient connectés jusqu'à 2022. C'est la question principale qui concerne le transfert de données, toute notre stratégie se focalise sur cet objectif pour que le citoyen colombien puisse utiliser l'Internet pour le travail, pour l'éducation et pour tous les autres objectifs qui sont importants pour la société, pour les citoyens. Les choses très importantes pour le gouvernement sont aussi liées au fait que la vie des Colombiens sera plus facile grâce à la promotion de l'Internet. Je vous remercie. Merci. Et maintenant, passons à la troisième personne. Donc, la première question, Monsieur Koussaï Al-Shati de... Voilà. Merci. Moi, je voudrais commencer mon intervention par un petit mot sur mon éminente collègue Marlene Cade, qu'elle repose en paix. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui sont ici avec nous pour parler d'un sujet très important, donc le rôle de l'Internet dans le cas de calamités, catastrophes telles que COVID. Et il est tout à fait clair que l'Internet a prouvé qu'il est le plus nécessaire et le plus utile pour utiliser dans des périodes comme ce que nous vivons depuis le début de cette année. Lorsque nous sommes confinés dans notre endroit, pour la raison du régime sanitaire, nous ne pouvons pas nous
déplacés pour l'éducation, pour le travail, etc. Il n'y a pas de doute que l'Internet aide à atténuer ces difficultés et résoudre beaucoup de problèmes qui sont devant nous. Nos besoins fondamentaux sont réalisés. Ce sont les problèmes liés à la logistique, donc les interactions sociales ou la coopération avec le membre de famille. Voici d'autres choses, comme par exemple le business que nous avons. Même s'il est possible, par exemple, nous avons les émetteurs radio ou télévision, nous cherchons notamment les informations sur Internet. Donc, l'Internet est devenu le canal principal de communication et de contacter les autres aussi, d'avoir des informations sur la pandémie ou sur, par exemple, la fermeture de rue ou par exemple le couvre-feu ou d'autres choses. Donc, à l'échelle nationale, régionale ou globale, l'Internet a prouvé qu'il est vraiment l'outil majeur pour réaliser ces tâches. Donc, puisque c'est un outil tellement important, nous savons que le gouvernement doit transférer les informations à la société. Et les autres sociétés doivent obtenir ces informations. C'est pourquoi donc, le gouvernement cofinance l'accès à l'Internet en mars et en avril. Donc, je parle ici à l'accès mobile et aussi par câble. Donc, pour 5 gigabits, donc on parle ici de l'accès aussi, on parle de la possibilité d'accès pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir l'accès aux informations fournies par les services médicaux, par le gouvernement. L'Internet permet de mener les affaires et aussi d'avoir les informations de santé. Il y a aussi de nouvelles tendances qui sont apparues. Bien souvent, nous travaillons à distance. Nous sommes habitués à travailler à distance parce que nous gérons nos entreprises à distance. Aussi, nous réalisons nos besoins à distance. Nous communiquons avec les amis, avec les membres de nos familles. Certaines tendances seront réalisées non seulement pendant la pandémie COVID-19, mais seront pérennes, seront permanentes parce que nous sommes habitués et en fait, ces tendances sont maintenant très pratiques. Par exemple, les rencontres en ligne. Est-ce que tu peux conclure parce qu'on manque du temps? Voilà. Bon, d'accord. Donc, il y a quelques tendances qui restent majeures et qui vont rester avec nous après la fin de la pandémie COVID-19. Par exemple, cela va concerner la coopération en ligne, les visioconférences pour rencontrer le partenaire en business ou aussi parfois certains services qui sont aussi offerts. Donc, cela va rester avec nous après la pandémie aussi. Il s'est avéré que l'Internet est devenu nécessaire pour nous tous. Donc, il est toujours donc le premier devant la télévision ou la radio. Je vous remercie. Merci beaucoup. COVID-19 est une catastrophe qui n'a fait qu'atténuer certains problèmes, renforcer certains problèmes sur la politique numérique. La question suivante est la suivante. Quels problèmes ont-ils eu le plus d'importance dans votre communauté, dans ce contexte? Tamara Lauschner, du Brésil, de l'IGF de Brésil. Merci Flavio. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Tamara Lauschner, je suis coordinatrice et je suis à la tête du comité d'organisation de l'IGF brésilien. C'est une organisation qui se réunit régulièrement à partir de 2011. L'année 2020 est un défi pour l'Internet au Brésil et dans le monde entier. Dès le début du mois de mars, lorsque le nombre de cas du COVID a commencé à augmenter au Brésil, différentes restrictions ont été introduites
dans notre société. Donc, l'Internet a aussi subi une certaine pression. Les pics d'utilisation ont augmenté. Comme beaucoup de pays ont introduit des restrictions ou des mesures, nous aussi, nous avons introduit des mesures qu'il a fallu introduire dans cette période très difficile, des circonstances épidémiques très difficiles. Il y a eu des problèmes, par exemple, concernant le réseau qui est en suspens lorsque le trafic sur Internet est intense. Donc, les gouvernements s'adressent aux parties prenantes, y compris les opérateurs de télécom, pour appliquer de nouvelles solutions qui nous permettraient de résoudre les défis liés à l'infrastructure. L'infrastructure et l'accès à l'Internet au Brésil repose surtout sur le système d'échange d'Internet qui se trouve dans différents endroits de notre pays. Le trafic sur Internet doit se faire à haut débit, mais comme le flux de l'information sur Internet au Brésil a augmenté, le nombre de ces points d'échange n'a pas augmenté. Toutefois, nous avons pu bien gérer la situation parce que nous avons parlé de 11 télébits par seconde. À part cela, il y a eu des problèmes sur la désinformation, sur les fake news. La pandémie nous a clairement montré que l'Internet jouait un rôle clé dans ce genre de situation pour ce qui est par rapport aux restrictions. Les gens doivent avoir accès à Internet pour actualiser leurs informations, pour obtenir des informations sur les restrictions et sur les lignes directrices des autorités publiques. Cela nous montre toute une série de problèmes concernant la désinformation dans la période où les citoyens doivent se concentrer sur la résolution de leurs propres problèmes. Les citoyens souvent nous adressent leurs doutes sur la crise de désinformation dans notre pays. Notre congrès mène un débat pour que soit préparé un projet de loi visant à la réduction de l'expansion de fake news et de la désinformation. Mais les experts et les parties prenantes expriment leurs doutes aussi sur le doute en ce qui concerne surtout la liberté de l'expression, la vie privée et la protection des données, l'innovation et les modèles de business. Et enfin, au nom du NRI brésilien, je voudrais transmettre nos condoléances à cause du décès de Marlene Cage. Nous n'allons pas l'oublier. Merci Tamara. Maintenant, passons à Jennifer Lopez du Panama. Et bonjour tout le monde. Merci Flavio. Comme tous mes collègues l'avaient déjà dit, la pandémie COVID-19 a augmenté le besoin de gestion transparente de l'Internet et de résolution de questions liées à la vie privée. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi avant, après les catastrophes. Le Panama a fait un grand progrès en ce qui concerne la numérisation. Eh bien, nous avons réussi à identifier une série de défis, mais aussi d'opportunités liées à l'Internet. Ici, les politiques publiques et les cadres législatifs nous aident à combler cet écart numérique, cette fracture numérique. Le COVID a vraiment impacté notre style de vie. Nous devons donc réagir à cela. Et pour le faire, nous avons essayé de donner l'opportunité au télétravail au Panama et introduire des modifications nécessaires dans le code de travail. Et enfin, nous essayons d'actualiser au fur et à mesure notre code de travail en tenant compte de toutes les questions liées au travail numérique. Les fléaux, les catastrophes naturelles à laquelle nous avons maintenant affaire a fait que nous avons dû introduire une série de solutions liées à la sécurisation du réseau et à la sécurité des données, assurer la confidentialité des usagers. Ça doit concerner aussi bien le secteur public que le secteur privé, cette activité. Tout d'abord, ça, c'est lié au secteur financier et au télétravail. Notre site internet panama.gov
www.marlinekate.pa a été fait pour intégrer des canaux numériques qui ont été créés par des institutions publiques, mais aussi c'est un endroit qui est fortement observé par nos usagers. Les règles de protection de données sensibles, eh bien, ils sont respectés, clarifiés. Et là, le gouvernement a créé certaines directions de développement numérique et de modernisation numérique. Beaucoup de programmes d'innovation aussi ont été pris en compte. Bien sûr, tout cela doit être accompagné d'un budget adéquat. On a aussi fait un plan de solidarité pour le Panama qui est un fonds de solidarité pour les plus pauvres, qui assure le soutien dans plusieurs domaines. Et ici, le système utilise les données sur les personnes en besoin, qui sont justement puisées des ressources Internet. Il suffit de confirmer son identité en utilisant les données qui sont connues seulement par la personne concernée. Donc, nous nous concentrons sur l'utilisation de l'Internet, mais il faut aussi se concentrer sur la vie privée parce que l'information numérique peut être disponible à tout le monde. La pandémie a décidément augmenté le rôle de la communication Internet au quotidien, mais bien sûr, la vie privée et la sécurisation, ça requiert de nouvelles normes. Ce sont des défis nombreux qui nécessiteront des solutions nombreuses. Bien sûr, ça doit être, les technologies doivent être toujours améliorées. Et le Panama va toujours attirer une plus grande attention sur les politiques, qu'elles rattrapent les besoins technologique. Oui, je vais finir dans un instant. Sous l'effet de la pandémie COVID-19, c'est sûr que nous allons être plus innovants en tant que pays. Merci. Nous avons maintenant Timofey de Russie qui voudrait maintenant prendre la parole, mais soyez bref parce que nous avons déjà dépassé notre temps. Je voudrais remercier les organisateurs d'avoir partagé, de nous donner la possibilité de partager nos expériences. Bien sûr, nous avons vraiment besoin de plus d'informations crédibles maintenant. Mais l'information doit être présentée de façon compréhensible. Nous devons aussi lutter pour l'attention des usagers et c'est pour cela que nous avons créé un centre en Russie qui s'occupe de toutes sortes d'informations publiques sur le coronavirus. Donc, c'est un grand défi. Parce que d'une part, l'Internet, les réseaux sociaux, mais aussi les communicateurs peuvent être une bonne source de fake news. Ça peut être des informations totalement fausses. Il y a des informations fausses qui peuvent même constituer un danger à la vie, à la santé des usagers. Ils pourraient concerner, par exemple, toutes sortes de traitements du coronavirus qui sont contraires au savoir-faire médical et peuvent mener au décès. Donc, cette pandémie de fake news, c'est quelque chose contre laquelle on voudrait protéger notre pays. Les gens entendent parler de différentes choses, par exemple, à commencer par le fait que le vodka allait être un remède contre le coronavirus en terminant par Bill Gates. Et donc, il faut que cette information vraie soit bien adressée aux consommateurs. C'est une information qui est envoyée des comptes officiels publics sur des plateformes concrètes en coopération avec des blogueurs qui sont connus. Nous avons plus de 60 canaux qui sont rattachés à des centres régionaux pour abolir les fake news qui ne sont pas confirmées. Pendant
par exemple, une trentaine de minutes, nous sommes capables de mobiliser même la police qui réagit à des personnes qui distribuent ce genre d'informations fausses dans toutes les 85 régions de Russie. On y a créé un mécanisme qui nous permet d'éraser toute information en une seconde, une fausse information en une seconde. Donc l'Internet, d'une part, nous pose des défis très importants, mais d'autre part, nous a donné la possibilité d'avoir un impact direct sur la création de la communication basée sur la confiance entre les gens et le gouvernement. Grâce à cela, nous avons affaire à un récit sur la pandémie qui est vrai. Nous planifions aussi d'organiser une conférence en septembre 2021 sur ce sujet. Je vous invite tous à cette conférence, si la pandémie le permet, de venir en Russie et de parler de cette crise d'information. Maintenant, je voudrais juste vous encourager à lire ce que j'ai écrit sur le chat. Merci. Nous avons déjà dépassé le temps consacré au premier bloc. Pas de questions concrètes sur le chat. Donc maintenant, passons au bloc suivant de cette session. Il va se concentrer sur comment la technologie peut-elle soutenir les gens. Maintenant, je voudrais qu'Anya nous lance le deuxième vote. Nous allons penser quelles bonnes pratiques peuvent-elles apparaître en ce qui concerne la lutte contre les fléaux, les catastrophes dans le domaine des données. Emanuele Girardi, le premier intervenant, Dominique Anya Osvaldo, et ensuite l'Asie, le Pacifique, Jennifer Chang. Maintenant, nous allons commencer par Emanuela Girardi, qui représente l'IGF en Italie. Je voudrais encore une fois vous prier de ne pas dépasser 3 minutes d'intervention. Alors, merci beaucoup. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette session. Je fais partie de l'IGF en Italie, le comité d'organisation du GF italien. Je voudrais partager les expériences italiennes liées à l'utilisation de la technologie basée sur les données. En mars 2020, la pandémie a commencé en Italie. L'Italie a été le premier pays à faire face à cette pandémie. Nous n'étions pas préparés du tout, mais les académiciens et les chercheurs italiens qui s'occupaient des données ont rassemblé leurs propositions pour soutenir la réaction des médecins du gouvernement à cette pandémie, à cette catastrophe naturelle. Aujourd'hui, je vais parler de 3 initiatives. C'est la première qui est l'initiative bioinformatique, l'analyse de l'imagerie. C'est la deuxième. Et la troisième, mes collègues ont déjà parlé de cette infodémie. D'abord, la bioinformation. Un groupe de chercheurs a utilisé l'algorithme d'intelligence artificielle pour analyser les données sur les protéines qui sont à la base de fonctionnement de médicaments. Et ces données ont été très utiles aux médecins et aux chercheurs, aux scientifiques qui rechercher des médicaments existants dans leur base de données pour pouvoir les appliquer sur les patients avec COVID. La deuxième chose, l'analyse de l'imagerie. Le deuxième groupe a travaillé avec les médecins et les radiologues pour rassembler les radios des patients qui avait de la pneumonie liée au COVID et non. En se basant sur là, on a créé un algorithme qui a permis de mieux reconnaître de façon plus rapide justement cette pneumonie liée au COVID. Et la troisième chose, l'infodémie, la pandémie des fakes, ça a déjà été abordé par l'un de mes prédécesseurs. Alors, comme le collègue a dit, dans cette situation de crise, nous avons été exposés à un grand nombre d'informations sur le COVID, fausses ou vraies. Et comme on a déjà dit, il y a des informations qui ne sont pas crédibles. Et donc, il était vraiment difficile à tout chacun de trouver des ressources viables
d'information. Donc, un autre groupe de chercheurs italiens a utilisé le modèle d'intelligence artificielle pour analyser les modèles des réseaux sociaux pour suivre cet afflux d'informations très fausses en créant l'index de l'infodémie qui nous a permis d'être une alerte précoce pour le gouvernement pour suivre les politiques et les émotions des citoyens, leur attitude. Au début de la pandémie en Italie, cet index s'élevait à 30 sur 100 après 3 semaines de lockdown, de confinement, eh bien, la communication officielle gouvernementale a commencé, des politiques ont été introduites et cet index a baissé jusqu'à 3, dramatiquement, à cause de l'existence de fake news. Nous avons créé toute une série d'initiatives, mais bon, je pense que l'on veut écouter ce qui s'est passé dans d'autres pays. Merci Flavio, je te donne la parole. Merci. Merci pour cette intervention très concise. Et maintenant, passons à Osvaldo Larancuenta. Voilà, je te donne la parole. Tu as 3 minutes. Bonjour tout le monde, je salue tout le monde et je voudrais tout d'abord féliciter tous les prédécesseurs, les personnes qui ont déjà pris la parole sur l'Internet dans le contexte des calamités et des catastrophes en regardant les bonnes pratiques qui peuvent être utilisées pour lutter en cas d'urgence en utilisant les nouvelles technologies, les technologies basées sur les données, les chercheurs, y compris de notre pays, mais aussi d'autres pays, Argentine, Costa Rica, ont créé un forum interdisciplinaire. Essayer de tirer des conclusions de toute cette situation du confinement, de cette distanciation sociale obligatoire, tous ces moyens qu'on a dû mettre en place depuis le printemps dernier. L'objectif était de tirer des conclusions pour savoir si effectivement les citoyens respectent les restrictions et si les technologies et l'informatique ont aussi un impact sur l'état émotionnel de nos citoyens. Il s'est avéré que la plupart des citoyens restaient très actifs tout en étant confinés. Donc, ils utilisaient ces technologies pour communiquer avec les amis, avec la famille, ils apprenaient les choses, ils créaient de nouvelles choses. Nous avons vérifié aussi un scénario sans accès. Donc, le scénario qui supposait l'absence d'accès partagé en différents groupes. Donc, l'état psychique était très varié. C'était lié au fait d'être connecté, de ne pas être connecté pour ce qui concerne la relation avec les autres et aussi la capacité d'apprendre. Et nous avons remarqué que les personnes plus âgées devraient être plus formées pour pouvoir utiliser la technologie, pour pouvoir aussi avoir la possibilité de maintenir les relations sociales, pour améliorer leurs compétences numériques, pour que ces personnes soient plus prêtes à accepter ces technologies. Le gouvernement de la République dominicaine a travailler dur pour élaborer une politique numérique et nous promouvons ici les accès qui sont disponibles en ligne et qui peuvent améliorer l'accès, l'accessibilité de différentes choses, donc par exemple les services fiscaux, les autorisations, pour que chacun puisse de façon plus efficace, plus fiable et plus rapide en cas d'urgence, avoir cet accès à tous les services, toutes les prestations. Il s'est avéré que cela a très bien fonctionné en ce moment difficile. Il y a encore un domaine où le gouvernement a été assez actif en utilisant cette analyse des données, c'était pour informer du coronavirus. Donc, il y avait différentes applications utilisées par le téléphone mobile, les chatbots qui permettent de faire un autodiagnostic, le risque de contamination, etc. Il s'est avéré que ces outils-là sont assez efficaces et le service épidémiologique sont capables de surveiller mieux le contact tout en respectant bien sûr la politique de la vie privée.
Osvaldo, je te prie, oui, de terminer. Oui, voilà, c'est la dernière chose que je voulais partager avec vous. Donc, comme vous savez, le travail à distance, l'éducation à distance, différentes applications qui promeuvent les différentes applications en réseau ont été très efficaces, y compris dans notre pays. Merci, Osvaldo, pour tout ce que tu viens de dire. Et maintenant, Jennifer Chang, qui représente FGI en Asie-Pacifique, je te donne la parole. Merci Flavio. Je m'appelle Jennifer Chang. Je me prononce au nom de FGI pour l'Asie-Pacifique et je voudrais vraiment exprimer mon admiration pour toutes les personnes qui ont parlé de ces solutions efficaces qui ont été utilisées, appliquées dans différents pays pendant cette période difficile de la pandémie. Comme nous savons tous, la région de l'Asie-Pacifique est une région très variée, très diversifiée, avec les économies très différentes. Donc, cette pandémie COVID-19, d'ailleurs, vient de cette région-là. Il y a eu donc beaucoup de façons dont on pouvait traiter la COVID. Il y a trois pays qui sont vraiment, donc la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Taïwan. Donc, ce sont les trois pays qui sont dits avoir vraiment bien réagi à la pandémie, mais le Vietnam aussi. C'est assez intéressant parce que cela renverse notre tendance à dire que ce sont les pays plutôt riches se débrouillent bien. Ils sont les seuls à se débrouiller bien. Donc, c'est l'innovation qui comptait. Taïwan est un bon exemple. Ici, donc, nous avons une bonne économie qui se débrouille bien avec différents défis. Les citoyens ont confiance au gouvernement. Il y avait aussi une feuille de route assez bien faite avec le suivi des contacts. Beaucoup de personnes avaient de craintes concernant la vie privée en regardant l'application de ce type, mais quand même, c'était bien fait. Et puis, il y avait aussi les problèmes qui s'associent à des populations qui ont du mal à accéder à l'Internet. Dans la situation traditionnelle, il est difficile d'atteindre ces communautés, ces populations. Et si on ajoute à cela la pression liée au COVID, donc la situation est encore plus difficile. En Bangladesh, par exemple, le gouvernement a réagi rapidement en créant un canal dédié pour les personnes avec handicapées, pour ceux qui ne peuvent pas communiquer normalement, en essayant d'atteindre le plus large public. Voilà, je termine en mentionnant le tout dernier point. C'est quelque chose qu'on a vu déjà au cours de cette année. Il me semble que les autres personnes l'ont déjà mentionné. Bon, tout se digitalise, mais il y a quand même cette fracture numérique qui est de plus en plus visible, de plus en plus forte. Donc maintenant, pour utiliser cette infrastructure innovante, par exemple en Philippines, les élèves devaient donc monter des arbres pour avoir les Wi-Fi de meilleure qualité. Donc, cela montre combien il est important de pouvoir analyser l'accès, avoir cette approche holistique de bout en bout. Il faut donc changer notre attitude à l'égard de l'éducation, par exemple, pour que notamment les élèves puissent continuer à apprendre. Voilà, on doit terminer. Je te prie de terminer. Voilà. Oui, donc je vois que quelqu'un de la Corée du Sud qui va donc parler. Donc, j'espère que les méthodes qu'ils ont utilisées seront encore présentées. Merci, Jennifer. Quand on parle de bonnes pratiques d'utilisation de technologies pour lutter contre les catastrophes et les calamités, nous allons nous concentrer maintenant sur d'autres personnes. Donc, nous allons donc parler de bonnes pratiques. Dustin Luke des États-Unis, après l'Argentine. Donc, Dustin, tu as 3 minutes. Merci, Fabio.
Au nom de FGI américain, je voudrais vous remercier, vous tous, pour un grand soutien. La mort de Marlene Cade, c'est une grande perte pour nous tous, mais elle a eu vraiment une très, très grande contribution. Comme dans d'autres pays, aussi chez nous, le COVID-19 a dominé les discussions. Et nous avons eu, par exemple, des témoignages faits en vidéo de différentes personnes qui parlent de leurs expériences concernant l'Internet, le rôle de l'Internet dernièrement. Donc, nous avons, par exemple, l'un de prestataires médicaux qui a augmenté largement, qui a multiplié le nombre de services offerts par l'Internet. Il y a donc télévisites qui ont été créées pour les prisonniers, par exemple, qui peuvent contacter leur famille. Donc, aussi bien ceux qui assurent, qui fournissent les prestations, les services sur Internet, aussi ceux qui les obtiennent doivent tous avoir les compétences numériques. Il faut aussi, bien sûr, penser aux infrastructures. C'est la base vraiment pour assurer ce type de services. À part cela, il faut que le gouvernement comprenne combien ces solutions numériques sont importantes. Cela se fait dans une certaine mesure. Donc, la télémédecine prend de l'importance. Certains sites fonctionnent de façon tout à fait virtuelle. Qu'est-ce qui manque? Donc, nous avons compris que la technologie existe déjà, mais il existe aussi certains manques au niveau institutionnel, au niveau de régulation, qui ne facilitent pas la situation. Nous avons aussi vu que le gouvernement et les autorités locales prenaient des actions pour faciliter quand même l'utilisation de ces solutions comme par exemple la télémédecine et par exemple le gouvernement qui permettent à travers certaines lois permettent d'assurer ce type de solution pour que ça soit fonctionnel le plus rapidement possible. Mais il faut qu'il y ait la possibilité de deux côtés, comme je l'ai dit. On a déjà mentionné la fracture numérique. On n'est pas en mesure d'assurer la solution numérique si faute d'infrastructures dans certains endroits. Bien sûr, beaucoup de sociétés locales ou globales ont réagi rapidement pour assurer cet accès à un nombre croissant de personnes. Et c'est avéré, on a vu très vite qu'il fallait développer des solutions durables pour se préparer à une autre catastrophe qui risque d'arriver un jour, pour que tous les services puissent être réalisés pour chaque personne qui le souhaite. Merci. Merci d'avoir respecté le temps. Et maintenant, l'Argentine. Flavio, merci. Merci. Bonjour de Buenos Aires. Je m'appelle Olga. Je représente FGI en Argentine. Et je voudrais vous parler de ce que nous faisons dans les zones rurales. Je voudrais rappeler Marlene Cade, je suis sûre qu'elle est avec nous aujourd'hui ici, elle était toujours très active. Je félicite aussi le secrétariat FGI pour cette rencontre excellente et pour cette session. L'Argentine est un pays fédéral avec 23 provinces et géographiquement, nous sommes un grand pays, donc il n'y a pas de frontière entre les provinces, dans le fonctionnement traditionnel, mais maintenant il y a les restrictions, donc on ne peut pas se déplacer d'une province à une autre. Ça peut être sans intérêt pour certaines personnes si on ne voyage pas. Mais c'était très important pour de petits agriculteurs, pour de petits fabricants de la nourriture. Nous sommes vraiment, nous utilisons énormément cette agriculture très dispersée. Donc, cela a été vraiment très difficile pour cette partie de l'économie. Et cette partie de l'économie est aussi très formalisée avec peu de contact avec les banques. Donc, on paye en espèces. Donc, pour ce groupe de personnes, c'était un grand défi.
le plus souvent, les produits sont vendus quelque part dans de villes autour, mais bien souvent, il faut passer par la frontière de province. C'est impossible cette fois-ci. Donc, l'Institut national INCA, si j'ai bien compris, donc c'est l'institut qui s'occupe de la technique agricole, a eu une idée intéressante. Bon, j'ai un collègue qui a eu cette idée, qui travaille dans cet institut. En tout cas, ils ont réussi à créer un réseau solidaire, un réseau commercial solidaire. Donc, on a créé un système qui a fait un lien entre plusieurs magasins en ligne en utilisant différents outils Internet. La communication était assurée avec le téléphone mobile, avec le transfert de données. Et on communiquait avec ce petit fabricant de denrées alimentaires. Ils ont donc pu vendre leurs produits. D'ailleurs, le gouvernement leur a donné la possibilité de se déplacer entre les provinces. Ce qui est important, c'est que cet institut de cette technique agricole coopérer avec eux pour promouvoir l'utilisation de cette technologie aussi de méthodes formelles de paiement. C'était aussi le cas avant, mais cela a beaucoup accéléré pendant la pandémie. Donc, il paraît que c'est une très bonne expérience qui montre que dans cette situation critique, nous avons pu créer quelque chose de bon, de positif. Nous avons créé une nouvelle technologie et ces méthodes de paiement, si vous voulez, vous pouvez voir le site, parce que le site est... Je vais mettre cela sur le chat, donc vous allez pouvoir voir cela. Merci de m'avoir invité. Je vous remercie. Merci, Olga. Flavio, il faut que tu es muté. Ah bon, d'accord. Merci, Olga. Et maintenant, passons à la discussion concernant ce deuxième bloc. Donc, on a Eng Chang Choice de la Corée du Sud qui voulait prendre la parole. Voilà, donc on vous donne la parole. Yu Chang Choi, vous avez 2 minutes, monsieur. Oui, on ne sait pas très bien dans quelle langue, monsieur. Bon, il y a des problèmes parce que, bon, monsieur, voilà, la technologie permet de suivre les contacts dans le contexte de COVID-19. Le plus important, c'est qu'au lieu de faire le confinement avec les méthodes draconiennes, notre gouvernement en Corée du Sud a introduit les modèles de suivi des contacts en prenant en compte les données liées au transport public et l'itinéraire de personnes. Il fallait donc assurer ici donc un équilibre entre la collecte de données. Cela a beaucoup d'implications pour nous. Nous devons apprendre qu'il serait important pour lutter contre le coronavirus. Il est donc important de limiter le risque pour les citoyens. Le gouvernement essaye de dissiper ce type de doute. La technologie basée sur les bases de données devrait être utilisée sur la base d'un certain cadre légal, tout en gardant la vie privée. Il y a beaucoup de doutes, bien sûr, puisque beaucoup de données à caractère personnel sont dévoilées et il y avait des recommandations concernant les données personnelles qui ont été modifiées, ce qui concerne la mise à disposition de ces données. Et on a changé le cadre de la mise à disposition de ces données. La technologie de suivi des contacts est très importante. L'objectif pour collecter les données, c'est de se concentrer sur les questions épidémiologiques pour le bien public. Les citoyens ont
l'impression de qu'on garde leur vie privée, qu'on la respecte. Hein. Mais quand même, il faut savoir toujours qu'on pense à ce bien public. Merci. Merci beaucoup. Passons maintenant à la troisième partie de notre session principale. Intitulé, nous allons laisser personne derrière. Nous avons aussi un vote de préparer. Est-ce que, Agnès, est-ce que tu peux nous montrer ce vote à l'écran? Nous allons laisser ce vote pour que tout le monde puisse y répondre. Alors, la première question dans cette partie de notre session est comment assurer l'application des outils en ligne et de services pour lutter contre les situations de catastrophe. Nous avons ici trois interventions. Monsieur Poncelet Ilaleji de l'Afrique de l'Ouest, Roberto Zambrana de Bolivie, Félix Hernandez-Gil d'Espagne. Bon, alors, Monsieur Poncelet, 3 minutes par intervenant. Je vais devoir vous interrompre parce que nous avons déjà du retard. Oui, Monsieur Poncelet. Je ne vois pas Monsieur Poncelet avec nous. Merci. Non, peut-être Roberto Zambrana de Bolivie. Oui, merci Flavio. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous, avec tous mes collègues. Je voudrais souligner et dire que nous tous dans nos pays respectifs, eh bien, nous sommes tous entrés dans le confinement au mois de mars. Dans notre cas, c'était le 23 mars exactement. Donc, la plupart des services en ont subi les conséquences, surtout l'éducation, mais aussi d'autres services publics pour les citoyens ont souffert. Toutes les sessions administratives, par exemple, ont été gelées parce qu'il n'était pas possible de travailler normalement lors de cette période-là. Personne n'y a été préparé à cela. Et donc, beaucoup de... le secteur public continue à fonctionner tout de même. Ça dure des années pour se préparer à des crises de ce genre. Ça dure des années pour préparer toute l'infrastructure technologique nécessaire pour lutter contre ce genre de situation. Je voudrais maintenant partager avec vous une expérience très intéressante des collectivités territoriales de La Paz en Bolivie. Dès le début, je voudrais vous dire que dès le début, la technologie a été notre principal allié, mais il ne s'agit pas seulement de l'application, des applications mobiles ou du portail. Il y a un portail où il y a des services publics qui sont publiés. Il y a aussi des liens vers des centres de contact. C'est présenté de façon très claire. On y a inclus les données sur la... ça a été fait grâce à la téléphonie, aux opérateurs téléphoniques, et ça a aussi été rendu accessible aux personnes qui travaillent dans l'hôtel de ville pour qu'ils puissent travailler de chez eux. Ce portail, donc, grâce à ce portail, c'était une entreprise très importante et ça nous a permis d'appliquer de la technologie et ce genre de canal de contact avec l'hôtel de ville pour que nos citoyens puissent obtenir des informations ou des services concrets leur pourraient être fournis. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui s'est passé, surtout dans le contexte de nombre de personnes gérées. Avant la pandémie, on a enregistré 40 à 50 000 citoyens ayant profité de ce genre de service. Mais après la pandémie, dernièrement, nous avons fait des mesures et nous avons déjà 250 000 personnes présentes. Donc, bien sûr, la pandémie a rendu les gens tristes, mais il faut parler aussi des aspects positifs liés à ce phénomène, liés au COVID-19. Et ici, parmi ces aspects positifs, c'est le stimulus qui s'est libéré pour développer les services de technologiques liés à l'Internet. Merci, merci Roberto, merci
de s'avoir tenu, s'être tenu au cadre temporel. Maintenant, Félix Hernández Gil de l'IGF espagnol. Merci, Flavio. En Espagne, l'accessibilité de l'Internet au débit a permis de maintenir la continuité de tels services que l'éducation en ligne, le travail en ligne ou les services publics. L'on a introduit les mesures qui nous ont permis d'assurer l'accès au réseau, au débit, avec de bons paramètres techniques, grâce à un cadre juridique approprié. Il a été permis aux opérateurs des télécoms d'investir dans la fibre optique, ce qui a augmenté l'accès aux actifs de l'infrastructure. Maintenant, la couverture en Espagne s'élève à peu près 80%. À part cela, nous avons affaire à des dispositions qui règlent l'accès à l'Internet pour qu'on puisse assurer l'accès à l'Internet sur tout le territoire du pays. Il y a un plan de vitesse minimum 30 mégabits par seconde. Les nouvelles dispositions sont aussi introduites pour garantir l'accès à une offre à bas coût pour des personnes ayant des revenus modérés. Lors de la pandémie, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est offrir des ressources supplémentaires qui ont été offertes justement par les télécoms, en particulier utiles pour les personnes à revenus modérés. À part cela, nous avons lancé des packages de données gratuits et assuré l'accès à l'Internet pour les besoins domestiques. Un autre problème, c'est la question de l'accès des services publics en ligne. Maintenant, l'on peut, grâce à cela, aider les personnes qui souffrent gravement des conséquences de la pandémie. Les services ne sont plus réalisés en contact direct, en fait. Ceci signifie que les services en ligne ont commencé à les remplacer. Ce serait tout de ma part. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci, Félix. Merci beaucoup. Une autre question qui est liée à ce bloc de notre discussion, comment adapter la politique et les mesures pour assurer le soutien aux plus défavorisés. Maintenant, Zainab Bouharb de l'IGF du Liban, 3 minutes. Bonjour tout le monde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais il ne faut pas oublier aussi les risques qui peuvent se présenter lorsque c'est les enfants qui utilisent les technologies. Maintenant, la situation du COVID mène au fait que les jeunes sont connectés longtemps à l'Internet et l'Internet, en même temps, leur donne la possibilité illimitée de partager leur opinion, de s'éduquer. Mais le même Internet peut constituer un grand défi en termes de sécurité des jeunes. Assurer la sécurité des jeunes et des enfants en ligne est devenu un besoin indispensable. Au Liban, nous avons urgemment besoin de revoir toutes les mesures qui doit être faite pour protéger les enfants. La dernière session de l'IGF a été consacrée à l'Internet sûr lors de la crise. Elle nous a fait observer les actions à entreprendre pour qu'on inclue toutes les parties intéressantes avant qu'il ne soit trop tard pour la société. Le défi principal dans la situation actuelle est lié à la création d'un bon environnement de l'Internet pour les enfants. Et ce n'est pas seulement un problème national, mais aussi un problème à caractère global, sachant qu'il y a des contenus nocifs du point de vue moral et psychologique pour nos enfants. Il faut accélérer notre activité en tenant compte du fait que notre conseil pour les enfants
a joué un rôle clé pour nommer un comité national qui va se concentrer justement sur les problèmes des enfants avec la participation de tels organismes que les ONG et autres organisations concernées. Le même comité ou la même commission travaille maintenant sur la préparation des supports pour les professeurs, les instituteurs et un manuel pour les parents qui leur permettra de savoir comment protéger leurs enfants contre les dangers liés à l'utilisation de l'Internet. L'activité des enfants en ligne requiert notre attention en coopération avec les institutions gouvernementales. Les ONG sont aussi actives. Il faut se concentrer sur la protection des enfants, sur leur confiance en soi-même pour ce qu'elle soit assertive. Sache dire non. Cette coopération est présente au Liban aussi dans d'autres domaines parce qu'il y a de plus en plus de crimes liés à l'Internet. Il y a maintenant 9 plaintes par jour qui sont déposées par les enfants. Le procureur ne fonctionne plus, ne reçoit plus ces plaintes, ce qui signifie que les informations peuvent être transmises par Internet. À part les réseaux sociaux, il y a des téléphones qui sont présents dans les réseaux sociaux pour signaler ou téléphoner qu'il y a des crimes qui ont lieu ou des contraventions qui ont lieu. Ici, le nombre de ces crimes augmente. Souvent, on utilise les informations privées pour faire du phishing et hacker les téléphones portables. Donc, il y a toutes sortes d'arnaques qui sont liées à cela. Donc, ce sont ce genre de phénomènes. Veuillez finir maintenant. Oui, nous avons acquis beaucoup d'expérience, mais la conclusion principale est telle qu'il faut coordonner nos efforts pour répandre les connaissances, la conscience et actualiser les dispositions, la politique et introduire des mesures strictes visant à protéger nos enfants lorsqu'ils sont exposés aux dangers sur l'Internet. Merci. Merci beaucoup. La protection des enfants est une chose cruciale ici, surtout dans une situation aussi difficile que la nôtre. Maintenant, nous passons à la discussion. Mahendratat Bousogopal de l'île de Maurice. Mahendrat, oui, veuillez vous exprimer. Merci, professeur. Merci, Flavio. Bonjour, tout le monde. Nous avons entendu dire comment nous pouvons assurer l'application des outils en ligne pour gérer les catastrophes et comment adapter notre politique pour assurer le soutien aux plus démunis. Mais en même temps, nous sommes conscients du fait que les nouveaux problèmes qui apparaissent et les nouveaux dangers qui apparaissent sont des problèmes croissants. Donc, il faut utiliser toutes les mesures possibles pour lutter contre les conséquences négatives de tout cela. Dans notre organisation, nous travaillons ensemble avec la communauté locale pour que chacun ait accès à de nouveaux outils Internet en promettant qu'on ne va laisser personne derrière. L'objectif dans cette partie de l'Afrique, je voudrais que personne ne reste derrière. Je voudrais donc attirer votre attention sur quoi nous attirons l'attention. Nous avons commencé une enquête, une recherche qui concernera tous nos citoyens et cette recherche se concentre sur la connexion de l'Internet, atténuation des écarts numériques. Les objectifs sont les suivants, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser, collecter de l'information de la part des personnes marginalisées dans le contexte de leur utilisation de l'Internet. Nous voulons aussi se baser sur les solutions basées sur les preuves pour assurer l'Internet ouvert à tout le monde. Nous voulons trouver des solutions qui permettraient d'inclure chacun au processus de l'Internet et aussi
enseigner les personnes quelles sont les compétences de chacun de nous sur l'Internet. Et donc, quel sera l'impact de ces activités? Premièrement, ces recommandations vont garantir l'utilisation de certains outils et services. L'effet attendu, eh bien, entre autres, ils vont nous signaler les problèmes des citoyens africains. Nous allons suivre la pénétration des services, la gouvernance de l'Internet en Afrique. Les usagers vont être aussi informés sur le concept de la gouvernance de l'Internet, qui sont non seulement des consommateurs dans ce système. En outre, nous voulons aussi responsabiliser les personnes démunies, défavorisées et les handicapés, les enfants handicapés. En ce qui concerne les zones rurales, en fait, elles aussi seront concernées par ces activités pour qu'elles aient accès à l'Internet. Nous ne voulons que personne ne soit laissé derrière dans notre pays. Notre objectif est de réaliser ce genre d'activité. Les mères qui restent au foyer, les enfants qui restent au foyer et les enfants handicapés dans les zones rurales doivent être concernés. Il faut donc assurer la sécurité des outils en ligne, lutter contre l'utilisation mauvaise de l'Internet. Pour cela, les gens doivent être bien éduqués et avoir la possibilité de s'exprimer sur Internet. En tant que NRI, nous faisons tout pour que le citoyen même décide ce qui doit se faire au niveau de l'Internet. Nous voulons responsabiliser les gens pour qu'ils fassent leur propre choix. L'éducation est le point de départ. Nous pouvons le faire déjà maintenant. Nous appelons nos citoyens à ce qu'ils agissent ensemble grâce à des outils d'éducation. Telle est notre activité de la part de l'IGF de l'île Maurice. Merci. Maintenant, le bloc numéro 4 de notre session, et parlons des économies et des situations de crise et de catastrophe. L'un des principaux problèmes de la pandémie est lié à l'effet négatif sur certaines communautés, sur les familles de confinement long. Certaines personnes ne peuvent pas travailler, surtout je parle ici des personnes qui sont des entrepreneurs indépendants. Voici le vote sur les questions économiques dans le contexte de catastrophe et de fléaux auxquels nous devons faire face. La question que je voudrais poser maintenant, quelles sont les bonnes pratiques et les politiques dans le monde entier liées à l'utilisation de l'Internet dans cette période difficile? 4 intervenants ici lors de ce 4e bloc. Commençons par Nick Webnan-Smith de Grande-Bretagne, de l'IGF. Oui, Nick, 3 minutes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'exprime maintenant au nom de l'IGF en Grande-Bretagne. Je suis le représentant du secrétariat de cette organisation dans notre pays. Eh bien, notre commission a réalisé cette année 4 programmes. Nous réalisons des objectifs globaux de l'ONU, mais tout ceci aussi se fait dans le contexte du COVID. L'événement que nous avons organisé a eu lieu entre le 15 et le 17 septembre. C'était en pleine pandémie. Nous sommes concentrés sur 4 sujets, la confiance, l'inclusion, surtout en tenant compte des lacunes de compétences, et l'accès qui est important. Les données, la transparence de l'algorithme, c'est ce qui devient le plus important en ce temps. Et la dernière chose, c'est l'environnement. Au début, je voudrais dire que au jour le jour, nous avons dû entrer dans un système de télétravail. Aujourd'hui, je vous parle en train de notre deuxième confinement national, notre lockdown national. Donc, nous réalisons nos activités grâce à la digitalisation, numérisation qui a dû se faire pendant quelques semaines. Il y a des pratiques qui ont été introduites qui sont indispensables pour l'économie, et nous savons ainsi à quel point les outils Internet sont-ils importants pour notre économie nationale. Donc, il est très important à ce qu'on ait une économie résistante du point de vue numérique. Notre infrastructure numérique a subi une grande pression. Elle a été bien contrôlée, mais c'est à verrez qu'elle est très résistante.
et viable. De plusieurs investissements ont été réalisés pour pouvoir réaliser nos activités et obtenir des dividendes liés à nos activités. Le sujet principal auquel je voudrais attirer votre attention, c'est que ces tendances sont strictement liées à des points précis de notre politique qui nous a beaucoup aidés sur notre chemin. Premièrement, le gouvernement a noué le partenariat avec le business. Il a aussi fait une stratégie, élaboré une stratégie numérique nationale. Nous le faisons au niveau de tout le pays. Nous avons une approche stratégique par rapport au manque numérique. Nous parlons aussi du travail post-pandémique. Il s'agit de faire construire quelque chose encore de meilleure manière à basse émission pour qu'on soit plus durable pour les générations à venir. C'est une approche très pro-business concentrée sur l'innovation. Donc, ce sont des stratégies très ambitieuses au niveau national pour maximiser l'utilisation de données nationales pour les fins publiques et privées. Nous travaillons non seulement avec des entreprises numériques et technologiques, mais aussi avec des PME. À part cela, nous nous concentrons très fortement sur les risques liés à l'environnement du business, l'environnement numérique. Et il faut aussi résoudre certaines situations problématiques en ligne, ce qui requiert des changements dans les dispositions. Notre ministre des Affaires numériques a dit que 85 000 nouveaux outils en ligne ont été introduits pendant les 4 premiers mois de la pandémie. Donc, nous sommes entrés rapidement dans l'économie numérique. Merci, merci Nick. Maintenant, on va donner la parole à Maka Nefai de FG Africain. Voilà, je te donne la parole. Essaye de respecter le temps qui t'a été accordé. Bonjour, bonsoir à tout le monde de Dakar, au Sénégal. Merci au secrétariat de FG d'avoir organisé cette rencontre. La stratégie pour l'Afrique est vraiment très indispensable en Afrique. Les comités régionaux, l'Afrique intelligente, voilà, ce sont des démarches qui concernent l'utilisation de l'Internet dans le pays africain. Les technologies numériques permettent de générer les emplois et aussi de combler la fracture numérique. Les objectifs particuliers sont liés à la création d'un marché sûr. Et notre société est autonomisée, l'accès à l'Internet est, augmente, la fracture numérique diminue, il y a des ponts qui sont créés. Le potentiel humain est aussi lié aux services éducatifs offerts en ligne. Mais il faut quand même respecter la vie privée et aussi la sécurité. Jusqu'à 2021, il y aura beaucoup un nombre d'Africains qui vont apprendre en ligne, va encore augmenter. La digitalisation du secteur privé est aussi très importante et beaucoup de personnes habitant en Afrique pourront aussi bénéficier de services médicaux offerts en ligne. Les solutions numériques offertes en Afrique prévoient aussi cette santé numérique. Nous utilisons différentes applications. Nous avons donc cette stratégie qui englobe les questions politiques et aussi les démarches. Différentes démarches. Cette stratégie est basée sur la base de la solidarité et de la coopération. La solidarité de l'Afrique, la coopération entre différents pays, la coopération avec les institutions internationales et aussi le développement durable futur. Le développement durable est notre objectif aussi pour l'avenir. Je vous remercie. Merci d'avoir organisé cette réunion encore une fois. Merci pour cette intervention excellente. Et maintenant, on passe
rapidement à Monsieur Carlos Vera de FG Ecateur. Tu as 3 minutes, Carlos. Et il paraît qu'il y a un changement de langue. Malheureusement, la qualité de la connexion est tellement faible qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous avons toujours des difficultés pour adopter cela sur le marché mondial. Un deuxième aspect, ce que nous avons appris pendant la pandémie, l'économie communautaire est très importante. Malheureusement, on entend juste le mot isolé. Donc, voilà, il y a de très gros problèmes de connexion. Donc, on ne peut pas vraiment faire la traduction. On ne t'entend pas, Carlos. Malheureusement, on ne t'entend pas. Donc, voilà. Désolé. Il faut qu'on poursuive parce que nous n'attendons pas Carlos. Donc, nous avons déjà dépassé le temps de cette session. Donc, nous allons maintenant essayer de passer aux personnes suivantes qui représentent Eurodig. Donc, Marie Bagda Sarian et Marcel Krumanauer. Vous avez au total 3 minutes. Et respectez le temps, s'il vous plaît. Merci Flavio. Nous allons donc essayer d'être bref. C'est un Eurodig. C'est déroulé en juin. C'était une rencontre virtuelle, un événement virtuel. Quelques mois après l'explosion de la pandémie, nous avons donc parlé notamment de l'économie dans le contexte de la pandémie. Et le sujet de base qui était le sujet initial était différent, mais puisque cela finalement été réalisé au moment de la pandémie, nous nous sommes concentrés sur ce qui nous préoccupait à ce moment-là. Donc, nous avons parlé de l'économie, nous avons parlé comment alors la situation se développe dans le contexte des économies européennes. Nos sessions étaient consacrées à différents impacts de la pandémie sur les économies, sur le droit de l'homme, sur différentes autres choses. Et il y avait donc le Conseil de l'Europe, aussi d'autres chercheurs, qui représentants de chercheurs du monde scientifique, qui aussi étaient présents. Nous avons fait des rencontres virtuelles. Moi, j'ai été l'une des co-animatrices de la session plénière. Maintenant, je donne la parole à mon collègue qui va vous dire brièvement quel était le livrable de toutes ces discussions. Nous nous sommes concentrés sur différents aspects de la pandémie en posant la question si cela va rester avec nous après la pandémie, si ce changement de paradigme sera pérenne. Aujourd'hui, nous voulons parler de la société que nous voulons avoir dans l'avenir, quel sera le rôle de solutions de technologies numériques. Nous avons pensé à nos objectifs à long terme, mais aussi comment faire face à la situation actuelle grâce à la technologie. Nous avons dit qu'il fallait combler les fractures numériques et aussi qu'on a besoin de promouvoir les investissements. Il faut aussi investir de manière à améliorer l'Internet en tant que canal principal de communication. Tout cela se fait dans un certain contexte économique, donc il faut aussi évaluer la situation actuelle telle que nous la voyons. Donc, je vous remercie. On est bien content d'avoir pu réaliser tout cela. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, ce que nous allons faire.
faire de, dans l'avenir. Marcel, maintenant nous sommes à la fin de cette session. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour discuter longtemps parce que nous devons terminer. Il faut clôturer maintenant la session. Donc, je voudrais juste demander à Anya qu'elle nous parle des résultats de vote. D'ailleurs, ça sera ajouté, bien sûr, ça sera aussi envoyé à différentes énergies pour qu'on puisse partager cela avec différentes communautés. Est-ce que vous voyez tout cela, le résultat de vote? Oui. Donc, voilà, ce sont les résultats. Mon écran est peu stable, donc je ne vois pas très bien. Mais de façon générale, je veux faire brièvement le point sur ce que nous voyons ici en regardant le résultat. Il paraît que les participants voient que les technologies numériques ont un grand potentiel pour soutenir la communauté à l'époque de calamités et de catastrophes. Lorsqu'on a demandé si les politiques déjà engagées pour lutter contre les catastrophes étaient efficaces ou non, il y avait quand même la plupart de réponses positives que négatif, donc c'est une bonne base pour le NRI, pour leur avenir, pour réfléchir ce qui marche bien, ce qui pourrait être amélioré dans l'avenir. Merci Anya. Comme vous savez, toutes les sessions principales normalement se terminent par un message, un communiqué qui sont préparés par le comité organisationnel de chaque session, et dans 2 semaines nous allons mettre à votre disposition tous ces documents. Comme c'était le cas pour les autres sessions FGI, à la fin, le panéliste, les intervenants prennent des engagements en ce qui concerne le fonctionnement futur de FGI. Et ce que nous proposons ici pour toute notre communauté, NRI, c'est l'engagement suivant. Tous les NRI 139, donc, poursuivront le dialogue multilatéral concernant l'Internet, les priorités concernant l'Internet. Donc, c'est quelque chose qui constitue notre engagement au nom de tous les NRI. C'est notre charge pour les mois à venir et pour les années à venir. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes d'être présentes et je donne encore la parole à Anya pour qu'elle puisse faire la clôture officielle. Alors voilà, je voudrais remercier Flavio et Marie. Je sais que ça n'a pas été facile de se concentrer sur l'organisation de cette session pour plusieurs raisons. Vous avez donc beaucoup fait. Je sais par expérience que ce n'est pas facile d'animer une telle session. Voilà, c'est une autre session qui va démarrer très bientôt. Ce n'est pas facile à animer parce que tout le monde veut prendre la parole. Tout le monde a des choses à dire. Nous voulons écouter les bonnes pratiques. Mais je voudrais remercier tous les représentants de NRI pour le travail dur qu'ils ont effectué pendant toute l'année. Je remercie tous les corps organisateurs, parties prenantes, tous ceux qui ont participé à ce travail au cours de l'année. Quelqu'un a dit dans le chat que la session suivante, donc la question concernant la sécurité, va se dérouler ici, dans cette Zoom, dans le même endroit. Donc, vous pouvez rester ici. En tout cas, moi, je dois terminer pour donner la possibilité aux organisateurs de la session suivante d'ouvrir leur session. Je pense que voilà, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu sur la diapo, tous ces messages seront aussi envoyés sur la liste, sur la mailing, vous seront envoyés. Flavio Marvin, je vous remercie encore une fois d'avoir organisé. Anya, on te remercie aussi, à toi aussi. Merci. Voilà, donc maintenant, on va avoir une nouvelle session dans quelques instants.